demande ma montre et moi je me dis... Mais merde, pourquoi il veut ma montre celui-là? C'est le capitaine de l'équipe de foot. Et là je me... Je me suis fait des amis à l'entraînement et on est ensemble dans le même bateau. Tout le monde est effrayé mais personne ne le laisse paraître. J'ai détesté Zussman la première semaine mais il est très vite devenu mon meilleur ami. Il cherche toujours les ennuis. Si on n'était pas déjà en guerre, il essaierait d'en lancer une. Et puis, j'aurais besoin de tous mes doigts pour faire la photo de l'année. Styles dit qu'il veut devenir photographe pour le magazine Life. Il ressemble à Clark Kent, sauf que quand il enlève ses lunettes, la seule chose qui se passe, c'est qu'il voit plus rien. Aiello est vétéran. Mais honnêtement, Mans le traiterait de vrai pecno. Ok. Et si on pimentait le truc? Saint-Michel, le saint patron des soldats. Il couvre mes arrières depuis Catherine. Zussman, 3 fois en 10 secondes, et il est tout à toi. Je sais pas. Oh, tu peux aussi te dégonfler. Je parie sur Zussman. D'accord. Ça marche. Oh, je peux pas regarder ça. Chronomètre quand je te le dis. Ok, je reprends l'histoire. Moi et mes potes, on s'était invités à une partie de poker organisée par l'équipe de foot. On avait mis au point un système où ils pouvaient me décrire leur donne. La tête du quarterback quand j'ai raflé tout le pot. T'es prêt? Voilà pourquoi on n'arnaque pas un arnaqueur. Maintenant. On se fait plumer. Aiello a de la férocité à revendre. M'en disait de jamais serrer la main à un juif. Elle disait pas ça hier soir. Mais manque un peu de tolérance. Qui a besoin d'un foutu pendentif? Toi, apparemment. Hein. Je vais me trouver un truc mieux. Un vrai trophée, je vous dis. Bon courage, vieux. Oh! Briefing à 18h, on est en retard! Je couvre nos arrières, Daniels. T'en fais pas pour ça. Le briefing va commencer. Qu'est-ce que vous fabriquez? Ensuite, il y a le sergent Pearson. Très sympathique. On se croit spécial, hein? Les Boches vont vous bouffer tout cru. Pas de danger, sergent. On est de vrais carnes. Ferme-la, Sussman. En marche! Vu que la chance est clairement avec moi, quoi qu'il arrive, suis-moi. La Normandie, puis le Rhin. C'est tout bon, Daniels. C'est maintenant ou jamais. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay commenté de Call of Duty WW2 World War 2, la deuxième guerre mondiale sur PlayStation 4. Édité par Activision, développé par Sledgehammer Games, sorti officiel le 3 novembre 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Superbe note de 18 sur 20. On se retrouve avec un Call of Duty où est-ce que... Ah, enfin, il n'y a plus de choses qui s'apparentent à un gameplay futuriste. On reste les pieds sur le sol, nous avons des armes automatiques, pas de laser missile, tout ce que vous voulez, pas de grab ou autre. Franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Il aura fallu attendre 9 ans après Call of Duty 5 World at War, sorti en 2008 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Pour qu'un jeu de Deuxième Guerre mondiale arrive, ou même revienne, devrais-je dire. Et ça, ça fait vachement plaisir. Je trouve personnellement que la fin d'année 2017 est plutôt un bon cru pour les jeux vidéo. Précédemment, j'avais fait le test de Assassin's Creed Origins. Ça faisait vachement plaisir de voir qu'Ubisoft avait enfin écouté leurs fans. Après 2 ans d'attente, on les attendait au tournant. C'était un petit peu casse-gueule pour eux. Il suffisait que le jeu ne marche pas pour que la licence puisse couler. Et là, c'est un pari réussi chez eux, et je crois que pour Call of, Sledgehammer remonte la barre. A savoir que les Call of Duty sont partagés entre 3 maisons de développement, mais je ne vous apprends rien. Au cas où, je vous le rappelle, Infinity Ward, qui ont créé les Advanced Warfare ou même Ghost, les Treyarch pour les Black Ops, ou alors Sledgehammer, que nous avons connu à partir de 2010-2011 avec MW3, en co-développement avec Infinity Ward. Et le dernier Call of qu'ils avaient fait en date, c'était Advanced Warfare, qui est pour moi le plus dégueulasse de la saga. Sorti en 2014, il me semble. Et là, ça y est, on revient sur de la Deuxième Guerre mondiale, et ça fait vachement plaisir. Du coup, il s'agit de la première mission du solo que je vous offre. Et là on se fait sacrément démonter, le débarquement, on en rêvait, enfin une mission en HD qui représente le débarquement en Normandie, le 6 juin 44.
et c'est super. Donc là, je vais découvrir en même temps que vous ce qui va se passer. Je scindrai la vidéo en deux et je vous proposerai une petite partie online, même si de base, eh bien, j'avais déjà fait une partie online durant la bêta. Je vous y renverrai à la fin de la vidéo si vous voulez voir un petit peu une autre partie. J'essaierai de choisir une autre map. Emportez de Bangalore jusqu'à la digue! Bien entendu. Ok. Donc c'est à nous d'aller faire péter la barricade, enfin les fils barbelés, comme dans tous les colosses. Ça rappelle même étrangement un petit peu les Medal of Honor, hein. La fameuse mission du débarquement qui est tellement épique et demandée par tous les fans, quoi. C'est forcément à faire quand on a un jeu qui est basé sur un fait historique réel, notamment la Seconde Guerre mondiale. Donc, le garin M1, putain. Non, franchement, là, par contre, gros point positif, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Et qu'est-ce que je ramasse. Qu'est-ce que je ramasse. Bordel. Ouais. Ouais, je sais même pas en quelle difficulté je me suis mis. De base, c'est toujours les mêmes difficultés, vous savez, facile, normal, difficile, très difficile. En gros, c'était quoi, recrue, deuxième classe, commando vétéran. Et je me fais quand même hit à chaque fois. Tiens, si je dois aller jusqu'au MG des nazis avec le peu de vie qui me reste, on n'en est pas sorti, les gars. C'est un peu chaud. Donc voilà, le mode solo et le mode online, c'est ce que je vais vous proposer durant ce test. Hein. À savoir que... Où est-ce qu'il faut que j'aille? Là. À savoir qu'il y a aussi le mode zombie, mais ça je pense que je le ferai peut-être plus tard, je ne promets rien. Ce sera plutôt avec des collègues en vidéo gameplay commenté, ce sera toujours plus sympa que de le faire à une seule personne et d'enchaîner les vagues en étant seul. Enfin, c'est... Ce sera plus jouissif d'être à plusieurs. En tout cas, les personnages... Ah oui, avec elle. En tout cas, les personnages secondaires sont assez sympas. Franchement, Zussman par exemple, moi je le kiffe bien. Je me suis un petit peu retrouvé en lui. Le petit jeu du couteau entre les doigts, c'est quelque chose que je fais IRL. Tu prends pas tes balles, toi? Putain de barbelé. Ah, le barbelé, c'était solide, hein, 40, hein, vous avez vu. Oh, bordel. Donc oui, en fait, on retrouve pas mal de petites mimiques qu'il y avait dans les précédents Call of. Donc d'après ce que j'ai pu voir, certains soldats qui vont se faire tuer, il faut tirer au bon moment pour les sauver. Ou par exemple, faire un petit peu de QTE pour éviter de se faire buter au corps à corps. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui revenaient. Ça rappelle étrangement... qu'est-ce qu'il nous l'avait un petit peu montré? C'était Call of Duty 3, je me rappelle, en marche vers Paris, où est-ce que le QTE était apparu pour se défendre d'un nazi qui voulait nous poignarder. Et donc apparemment tout ça s'est remis. Des personnages secondaires vous accompagnent dans le solo. Donc Zussman a une capacité à chaque fois que vous tuez des adversaires, vous voyez à sa droite un petit plus augmente, enfin un cercle est en train d'entourer le symbole du plus qui est le symbole de l'infirmier. Et en fait il vous donnera des medic packs à chaque fois que ce cercle est rempli et que vous lui demandez en appuyant sur la touche O. Et ça c'est vachement sympa. Ça rajoute franchement une belle nouveauté pour le mode solo. Franchement c'est... C'est vraiment stylé. C'était un bon point à noter, quoi. Donc là, ça va se faire bombarder, si j'ai bien compris, ouais. Non, là, par contre, je reste complètement admiratif devant le graphe de... Oh là là, devant les graphismes de ce jeu, c'est un truc de fou. Le mode online pour y avoir joué aussi est tout aussi complet. Franchement, on se retrouve avec un Call of où est-ce que le 1, V2, voire V3 est à nouveau faisable. Dans les derniers Call of Duty, il était difficile de se retrouver dans une position avantageuse quand nous étions en infériorité numérique durant le online. Donc du coup, ça laissait une espèce de... Ouais, une espèce d'effet un peu... comment dire... On était frustrés en fait à l'idée de ne pas pouvoir enchaîner plusieurs ennemis à la fois en online. Et c'était un petit peu normal aussi, hein. Ça essayait de représenter une triste réalité. Hein. En même temps, il y a du monde ici. Mais là du coup dans ce Call of, beaucoup plus nerveux. Je pensais qu'il allait être plus lent avec un gameplay plus lent à la Call of Duty 4 ou même Call of Duty 5. Du coup Modern Warfare premier du nom et World at War. Mais en fait le gameplay est beaucoup plus nerveux.
Et franchement, c'est un bon point, mine de rien. Dans les points négatifs, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le chargement. Le temps de chargement, que ce soit en solo, en online, en zombie, mon dieu qu'il est long. Et ça, c'est bien dommage. Un autre petit point que je trouve assez bizarre, la hitbox dans celui-là est un peu chelou. La hitbox, c'est quand vous touchez un ennemi, tout simplement. La hitbox, en gros, est la silhouette invisible qui entoure le personnage. Tant que votre viseur est dans le caractère de l'ennemi, eh bien, vous devriez normalement pouvoir le hit. Sauf que la hitbox, en fait, est un peu large. Je tire au-dessus de l'épaule et à côté de la tête, et pourtant, ça touche. Donc une hitbox un petit peu plus large, c'est assez bizarre. Ça, c'est un point que j'ai noté. Mais après, qui n'est pas plus gênant, je dirais, si la hitbox avait été plus petite, c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait tirer dans les extrémités, genre les mains, et que ça ne touche pas, ça aurait été beaucoup plus handicapant. Là, la hitbox est plus large, ce qui fait que, peu importe votre style de visée, si vous tirez légèrement à côté, vous pouvez quand même toucher l'ennemi. Il arrive aussi après que quelques ennemis ne prennent pas leurs balles. Ça arrive de temps en temps, et... Bon, voilà, c'est arrivé à tout le monde. On ne se plaint pas de la connexion, on ne se plaint pas de sa manette. Non, la faute, c'est celle du joueur. Il faut arrêter de se leurrer au bout d'un moment. Oh. C'est fatal, ça! On récupère plein d'armes, on fait de la découverte, c'est génial. Bunker nettoyé 2 sur 5. Bon, donc du coup, une fois avoir traversé les plages de Normandie, on monte jusqu'au bunker nazi et on les prend d'assaut. L'armée américaine, c'est la meilleure, on le sait bien. Voilà, les Américains, ils nous sauvent, etc., etc. Après, mine de rien, c'est vraiment dommage, mais après, tous ces stéréotypes qu'il y a sur la France dans... Pour les Américains durant la guerre, on est en gros les lâches, ceux qui ont voté pour la reddition, quoi. J'y vais. En gros, on s'est rendu clairement. Hein. Et là, du coup, on se fait traiter de poule mouillée par les Américains. Ce sont des ondis et ce sont des ondis avérés malheureusement. Ah, du nazi cramé. Oh merde, il y en avait un dans mon dos depuis tout à l'heure. Très bien, première fois que je meurs. Oh, ça va, on réapparaît juste là. Bon, ça va, les checkpoints sont assez fréquents comme dans tous les Call of Duty. On va pouvoir réapparaître donc du coup non loin de la zone où nous sommes morts. Voilà. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois. On va se concentrer un petit peu. Oh là, par contre, c'est vraiment ouf. Hein. Le lance-flamme, c'est abusé. Hein. Qu'est-ce que c'est stylé. Vous avez vu, il a même mis le pouce sur l'une des chevrotines pour pas qu'elle sorte. Qu'est-ce que c'est classe. Ça, ce sont des petits détails qui font que, en fait. C'est ça qui est assez sympa. Et après, ça ajoute... ouais, pas de l'immersion, mais une espèce de satisfaction. Un côté, comment dire... réaliste, en fait. Voilà. Une touche de réalisme au jeu. Le car 98, c'est pas le garin, mais hein, c'est pas autant. Putain, crève. Oh, j'avais peur de crever. Putain, le coup de corps à corps, par contre, il en faudra deux minimum. Hein. Il vous faut forcément ou une baïonnette sur l'arme, ou je ne sais quoi qui pourrait le tuer d'un coup. Ou une mini-pelle, par exemple. Vous avez des petites pelles qui permettent de les tuer en objet de corps à corps. Ouais, non, enfin, le car 98, c'est vrai que j'avais oublié que c'est... Oui, forcément, c'est du coup par coup, c'est un fusil normalement à verrou. C'est vrai que c'est pas automatique. Après, dans ce garant M1 que nous propose Call of Duty WW2, il y a un petit point négatif qui, justement, je parle de réalisme, mais là, pas du tout, en fait. C'est que le garant M1, si vous avez pu voir, c'est que peu importe le nombre de balles qui me restaient, le garand M1 pouvait être rechargé, peu importe le nombre de balles qui restaient encore dans le chargeur. Or, le garand M1 était une arme très efficace en 39-45, arme favorite des fusiliers américains, mais avait un gros point négatif. Le chargeur ne pouvait pas s'enlever manuellement. En fait, il fallait forcément que les 10 balles, parce que c'était deux rangées de 5 balles, les 10 balles puissent être tirées pour que le chargeur se déclipse lui-même et saute en dehors du fusil. Et là, je peux recharger quand je veux. Et ça, dans les anciens Call of, il me semble qu'il fallait forcément vider l'arme. Je ne sais plus, ou alors peut-être dans un autre jeu, mais en tout cas, le garand M1 est une arme normalement qui ne peut être reloadée manuellement. Il faut forcément vider son chargeur.
Bon, ça c'est en moins. Je pense que bon, c'est un jeu vidéo, c'est fait pour être. Oula! C'est fait pour être nerveux. On parle de QTE et en voilà une phase. Eh ben. Oh merde! Eh ben putain. Oh oui, un coup de casque. Ça c'est pas beau ça. On se retrouve un petit peu avec le style avec l'allemand avec le poignard sur vous là. Un petit peu, il faut sauver le soldat Ryan. Ah ben merde putain. Mon PNJ préféré qui s'est pris un coup de couteau quoi. Sors-moi d'ici putain. On va te sortir de là, reste avec moi. Donc, selon les tests de divers sites, notamment, il est dit sur Game Rankings, le site sur lequel je me suis basé pour vous dire qu'il avait eu 18 sur 20, beaucoup de tests ont affirmé que les missions solo étaient légèrement longues et franchement avaient une longueur plutôt correcte, enfin c'était pile poil jaugé comme il fallait. On ne se lassait pas. Et en même temps, on pouvait profiter sans dire que voilà, la mission était trop longue, c'était pile poil ce qu'il fallait. Mais la moyenne apparemment d'une mission est d'environ 20 bonnes minutes, entre 20 et 25. Du coup, je pense que je vais m'arrêter, je vais ramener Zussman en safe zone, et je m'arrêterai, je vais lancer du coup à ce moment-là une partie de mode online, histoire que vous puissiez voir. Et si du coup ma façon de jouer, mon gameplay vous intéresse un petit peu, pour répondre à la demande de mes abonnés, il y a un mois de cela, j'ai fait une petite vidéo hors vidéo test. Ça c'est franchement c'est stylé, repousser les ennemis et tout. Le mec avec le chemin. Non franchement il y a de tout, il y a tout ce qui a fait les bons Call of qui est réuni dans celui-là. Et ça franchement c'est génial. Puis qu'est-ce qu'il est beau, franchement j'arrêterai pas de le dire. Du coup voilà, j'avais fait une vidéo pour mes abonnés montrant ma façon de jouer, en fait j'expliquais comment je négocie. Oh le réflexe patate chaude, vous avez vu ça? Oui patate chaude c'est quand on renvoie une grenade qui avait été dégoupillée au préalable. Et ouais, ceux qui ont fait les défis de code 4 savent. Taper ta mouche, tout ça, démonter les hélicos, la mort vient du ciel. Ah là là, old school mes gueules. Du coup voilà, il y a une vidéo où est-ce que voilà, j'explique voilà, de façon narrative toute ma gestuelle pour apprendre, enfin pour vous montrer comment je joue. Parce que pas mal de mes abonnés me demandaient si mes parties je les faisais comme ça, elles étaient préenregistrées parce que c'était que des bonnes, ou c'était vraiment parce que j'enchaînais que des bonnes parties. Eh bien, je touche du bois, ce n'était que des bonnes parties jusqu'à ce jour. J'ai en moyenne un ratio qui vole entre 2,30 et 2,40 de ratio général sur tous les Call of Duty. Et certains ne me croyaient pas, et du coup, cette vidéo, sans aucun élan de prétention, a été faite et conçue par mes soins avec passion pour vous montrer comment un ancien joueur e-sport tel que moi négocie des parties de MME. Voilà. On aurait pu partir sur un mode sur des modes de jeu e-sport, mais... Oh non, putain, t'es pas mort. Oh. Putain, j'ai eu peur qu'il soit mort. Et du coup, voilà, ce n'est pas des modes e-sport, mais bon. Voilà, comme je fais pas mal de MME, je préférais me baser sur un mode de jeu que j'aimais beaucoup. Ah, ça y est, enfin un médic. Ça me rassure. J'espère qu'il va pas crever. Il le soignera. J'ai peu soin de toi, Daniel. Bon, ben du coup, on va scinder la vidéo. Je vais vous retrouver du coup sur une partie de mode online. Ah, j'ai un nouveau PNJ. Ah oui, c'est vrai, il donne des grenades. Enfin, des munitions. Allez, je vous dis à de suite. Bon. Tout comme dans la bêta, j'ai patienté jusqu'au level 15 pour pouvoir me procurer la STG-44.
franchement, pas mal de choses ont changé depuis la bêta. La STG 44 a une cadence de tir qui est beaucoup plus grande déjà de base, sans aucun modificateur. Du coup, elle switch un peu entre les armes d'assaut et les armes fusil. Donc c'est un mix assez agréable. Mais par contre, j'ai testé le bar et il me tarde d'être niveau 52 pour pouvoir, jouer de cette arme. Franchement, elle me rappelle étrangement, si vous avez joué à Ghost, la Remington. C'est une arme qui était juste géniale. Assez lourde dans sa façon de... dans son maniement, mais cruellement efficace. Ce qui me fait chier, vous voyez, c'est de tempo, parce que je vois des points rouges, et je me dis qu'il y en a qui peuvent sortir. Mais après, tempo plus que ça, ça revient à faire de la camp. Comme c'est pas mon style. Là, il n'y a pas d'ennemis sur le marqueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Toujours aller dans les endroits où est-ce que vous ne voyez pas de signe vital. En fait, vous ne voyez que vos collègues. Aller dans les endroits où est-ce qu'ils n'y sont pas. Il y aura plus de chances qu'un respawn adverse apparaisse. Donc vous voyez, elle est assez nerveuse, la STG, hein, mine de rien. Du coup, voilà. Si vous voulez chercher à faire du kill, allez dans les endroits où est-ce que c'est vide sur la map. Après, sa portée a été grandement diminuée, et ça c'est bien dommage. Du coup, c'est une arme de moyenne portée. Je vois beaucoup de gens jouer à la PPSH, mais... Moi je l'aime pas cette arme, elle est pas ouf quoi. Enfin, dans la bêta elle était ouf, là maintenant je la trouve pas ouf du tout en fait. C'est bizarre, depuis la bêta il y a trop de choses qui ont changé, c'est ouf. Putain de merde dans mon dos. Ok, bon, personne. Après, faites confiance à vos adversaires. À vos collègues. Ça m'a laissé sur le cul qui me dégomme. En fait, j'ai été touché dans le dos. Donc, je me suis dit, j'avance. Je vois des collègues à côté de moi. Ils vont s'en occuper. En fait, il faut faire confiance qu'à soi-même. La cover, les gars, la cover, bordel. C'est fou, quoi. Il y avait deux mecs vers qui j'avançais, vers deux alliés. Je me suis dit, bon, il doit être mort, là, depuis le temps. Bah non, s'il faut, c'était lui, en fait. Alors, 25 points, on mène. Oh non, vous êtes sérieux, j'ai pas pu avoir le deuxième, la grenade m'a buté avant. Damn. Oh, ça fait chier. Les killstreaks, toujours pareil, hein. Vous avez 3 killstreaks à choisir parmi un petit panel. Je crois qu'il y en a 16 en tout pour l'instant. Enfin, qu'est-ce que je dis pour l'instant? Je crois qu'il y en a 16 en tout, il me semble. C'est, ouais. Non, je sais même plus. Non, je crois pas qu'il y en ait 16. Je sais plus. Oh, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais je pense, voilà, peut-être aux alentours d'une quinzaine, vous pouvez du coup en choisir 3 qui ont différents niveaux. Oh, mon dieu, il y en a trop sur moi, c'est fou. J'essaie de faire des backups stratégiques, etc. De bien jouer, de bien tempo, etc. Mais des fois, ça suffit pas, quoi. Clairement, quand on se fait submerger, le nombre égale la défaite, quoi. Ma grenade, elle capte rien. Oh, mais il y a quelqu'un sur le radar, là. J'ai pas vu quelqu'un. T'étais par là, toi, non? Il a dû se faire tuer depuis le temps. Ok. J'aime pas ces positions de désavantage où est-ce que l'ennemi est plus haut que moi. Après, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est bien nerveux quand même. Vous voyez, c'est assez rapide et tout. Et par contre, pour votre information, si vous demandez en quelle sensibilité je joue, le jeu vous met déjà de base, sensibilité moyenne, 4. Il vous met, c'est la sensibilité moyenne du jeu. Eh bien, moi, je joue en 3. Voilà. Et pourtant, vous voyez, ça reste quand même assez rapide. Mais quand c'est trop rapide, moi, je n'y arrive clairement pas. Et oui, pour répondre à... Si cette question vous taraude l'esprit, oui, je joue en 3 ou en 4 en fonction vraiment de ma façon, enfin de mon style de jeu. Et ça m'empêche pas de faire des fois des bons scores. Je pense pas après que la sensibilité soit vraiment un gros atout. On part déjà sur le principe que plus ça va aller vite, plus on aura un timing plus parfait par rapport à l'autre. Et gagner ces microsecondes nous permettra de gagner... Versus fighting. Bah ouais, peut-être. Peut-être qu'à la longue, oui. Oui, ça doit jouer. Mais jusque-là, moi, ça ne m'a pas...
Ah mais non, mais j'avais buté les deux en fait. Putain, mais... j'ai vu deux kills en bas à gauche, mais je pensais pas que je l'avais tué. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui vous permettent de gagner des microsecondes. Mais après, je ne joue pas avec de scuff ou autre. Le seul accessoire que j'ai à chaque fois que je joue là actuellement, ce sont des guenards, des lunettes à verre jaune qui filtrent uniquement la lumière de l'écran. Donc ça va pas m'offrir un avantage quelconque, si ce n'est plus agréable pour ma rétine. Bon, 67-57, bon, 10 points d'écart, je pense que bon, arrive à 75. Je pense que l'écart est fait. Ce sera dur pour eux de remonter. Voire carrément impossible là vu le score. Après, toute arme vous permet après de rusher en fonction de votre jeu. Vous pouvez rusher, être plutôt sup, jouer au snipe en retrait. Enfin voilà, hein, divers jeux, mais en tout cas jouer en team, hein, franchement c'est le mieux. Ce jeu est vraiment fait pour et ça fait vraiment plaisir d'avoir un Call of pareil qui est revenu et c'est carton plein pour Sledgehammer. Franchement, on est bon cru pour 2017, franchement, clairement. Oula toi, ah, dommage, victoire. Enfin dommage, dommage de pas l'avoir tué. Bon, du coup voilà, donc là c'était du MME, j'oublie... Putain, c'est quoi cette rapidité qu'il a eu le mec? C'est ce vieux lag d'avant là. Bon voilà, il n'y a pas eu d'autres formats de jeu, c'est que du MME, désolé. Hein. Bon voilà, du coup ben, j'espère que ce gameplay condensé de Call of Duty WW2 vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien tout le monde, et à ciao. Un petit point que j'ai omis de préciser, durant le mode online, vous avez aussi cet espace social maintenant que vous pouvez avoir. Vous avez votre menu d'online avec bon, trouver les parties avec classement, etc., aller aux zombies, à la campagne. Votre personnage chez qui vous pouvez faire vos divisions avec vos pactages, etc., pour partir à la guéguerre, les kill streets, etc. Mais surtout, je voulais vous parler du coup de ce petit mode en fait. C'est ici que vous pourrez choisir des missions secondaires à accomplir, genre faire des headshots, accomplir de victoires en MME ou dans un autre mode. Vous avez la section courrier qui va vous rapporter chaque heure un petit solde. Vous avez une monnaie en haut à droite. Les jetons de déblocage en haut aussi se trouvent, ici trouvent également. Et en fait, cette monnaie vous permet après d'aller chez l'intendant pour ou acheter des missions, pour gagner plus d'expérience, ou acheter ce qu'on appelle de la collection. Et les collections portent les noms des armes du jeu, et vous avez dedans... une tenue, des logos, des armes, et ça c'est, enfin voilà, c'est vraiment, c'est juste du skin, hein. Mais voilà, je pense que c'était un petit point qui méritait d'être cité pour ce gameplay. Derrière, vous avez aussi la plage dans laquelle vous pouvez, ici ça c'est les prestiges, mais je ne peux pas y aller, là la plage où est-ce que vous pourrez tester tous vos killstreaks, même si vous ne les avez pas débloqués, comme ça vous saurez lesquels débloquer pour éviter de vous niquer un petit jeton de déblocage au moment où vous débloquerez le killstreak correspondant. Du coup voilà, là cette fois-ci je m'arrête réellement, je vous dis, portez-vous bien tout le monde, à ciao.